Bonsoir et bienvenue dans La Tout Essayé, avec ce soir chez vous Stéphane Potrin, Annie Lemoine, Sophie Garel, Jean-François Derek, Perry Cochin et Jean-Luc Lemoine. Perry Cochin, fait ça. Elle fait ça. Elle se sert de ses feuilles sur un éventail, elle tape sur son micro à la régie, ils sont là. Oh là là. Elle n'en rate pas une. Au moins, vous avez un sujet pour vous foutre de la gueule de quelqu'un, c'est bien. Et oui. Ça vous donne bravo Perry, continuez vos gaffes, tout va bien. Alors que je viens de vous dire que vous êtes magnifique, ça te va bien, la barbe mal rasée. On ne tutoie pas parce que je ne suis pas rasée. Vous êtes très beau, Laurent. Merci, Perry. Pas rasé. Le week-end s'annonce bien. C'était pas seulement les commémorations du débarquement le week-end dernier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme événement le week-end dernier? La fête de la morue. La fête de la morue à Berne seulement, mais au niveau national. Une manifestation. La fête des mères. La fête des mères, exactement. Ah bon. Bravo, Jean-Luc. La fête des mères. Alors, avant de vous montrer la première photo du jour, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est une belle histoire. Dans une école de Seine-et-Marne, la maîtresse a pensé que les enfants apprendraient à cultiver une plante qu'ils offriraient pour la fête des mères. Elle a donné donc à chaque élève un pot de fleurs en porcelaine en forme de clown et une graine de cactus, plante qui ne nécessite pas, vous le savez, beaucoup d'attention. Hélas, au dernier moment, le directeur de l'école n'a pas autorisé les enfants à donner le cadeau préparé à leur maman. Est-ce que vous savez pourquoi? Moi, je sais, oui. Regardez la photo, vous allez comprendre. Voilà. Ah. Oh. Vous imaginez un peu? Stéphane? Non, moi, je pense simplement à ces générations d'enfants. Je pense à ces générations d'enfants auxquelles on a raconté qu'on faisait les mômes avec une petite graine. C'est pas totalement faux. Et oui, vous voyez, non, le problème, c'est en fait l'endroit où on met le cactus. Je sais pas pourquoi elle a pas mis ça sur la tête, dans le dos, enfin dans le dos. Dans le dos. Arrête de rêver, oh, ça va. À Bègle. Justement, on va passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence, avant d'aborder le problème du mariage organisé par Noël Mamère, qui a beaucoup... il faut le dire, inspirer les dessinateurs avant quand même un dessin de Ranson dans Le Parisien sur les élections européennes. Il ne faut quand même pas oublier de rappeler qu'il faut voter dimanche prochain pour les européennes. Alors voici ce dessin de Ranson dans Le Parisien. Regardez, on voit Raffarin qui dit à Chirac « Si les Français ne s'intéressent pas aux élections européennes, souhaitons qu'ils ne s'intéressent pas non plus à leurs résultats. » C'est pas mal. Mais je vous l'ai dit, c'est surtout le mariage de Bègle qui a inspiré les caricaturistes, les dessinateurs. Le Fred Touron, par exemple, dans Le Canard enchaîné. « Nous allons vers plus de tolérance », écrit-il. Et on voit une dame qui dit à une autre « J'ai dit à mon fils, tu peux te marier avec un homme si tu veux, pourvu qu'il ne soit pas homosexuel. » T-News dans Charlie Hebdo. Sur le même sujet, ceux qui sont contre le mariage homo, c'est vrai qu'on a vu leur tête le week-end dernier, ça donne envie d'être pour. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre copain Noël Mamère, Stéphane? Ouais, j'ai eu des nouvelles. Vous étiez invité d'abord? J'étais invité. Vous n'êtes pas allé? Je n'y suis pas allé parce que c'était la fête des mères le lendemain et que donc je suis resté avec ma maman. Mais vous avez préféré ma maman à ma mère. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Facile, hein, facile. Très bien, bravo. Ouais, très facile. Bon. Il va bien, il a été très affecté par toute la polémique qu'il y a eu. Il a même pleuré pendant la, oui, ça, la cérémonie. Le... Ah non, non, ouais. Mais c'est vrai. Non, mais écoutez. Je l'aime bien, mais alors là, vraiment. Là, alors... Eh bien non, je pense, moi, c'est... Et d'ailleurs, c'est pas seulement parce que c'est lui et que c'est un copain, mais je pense réellement qu'il a écrit une page d'histoire. Ça a été dur et que par rapport à ça... Ouais. C'est pas pour ça qu'il a pleuré, c'est parce qu'il a pris du riz dans la tronche à la sortie, c'est tout. Non, on a du mal. On a du mal, là. Mais c'est marrant parce que, de toute manière, les hommes politiques ont tellement mauvaise presse. On croit jamais qu'ils peuvent être sincères. Et bien moi, je suis persuadé que quand il a pleuré, c'est vraiment parce que c'était un moment qui était dur pour lui. Si vous le croyez pas, tant pis non, pour vous. C'est pas pour ça. Moi, je sais que c'est parce qu'il a marié son mec. Mais t'es en grande forme, toi.
Sur le même sujet, lui, toujours dans Charlie, on voit un couple gay à la maison pour ou contre le mariage homo. Lui est pour, l'autre, lui est contre. C'est marrant. Ah oui. Après tout, puisqu'il s'agit de reproduire le même schéma, allons jusqu'au bout. Et enfin, ces deux dessins de Charb dans le même journal, Charlie Hebdo, mariage gay. On voit pas mal caricaturer le couple de dimanche dernier. Et ils disent « Osez dire que vous aviez l'air moins con à votre mariage. » C'est vrai qu'on n'a jamais l'air très finaux sur les photos de mariés. Je sais pas vous, vous avez des photos de mariés avec votre femme? Absolument, je me suis marié à Las Vegas. Ah. Et quand le maire a su que j'étais un grand artiste français, il m'a foutu à côté d'Elvis Presley. Et voilà, le travail. C'est déjà, année, déjà enterré. Ah non, mais il était déjà... quelle année que vous étiez un grand artiste français? Ah, mais il était déjà mort. Alors, c'est moi qui l'ai dit. Autre dessin encore dans Charlie. Il y a 60 ans déjà, et là on voit un soldat américain qui dit à un autre « Si on s'en sort, je t'épouse. » La commémoration du débarquement maintenant avec ce dessin de Luz dans Charlie Hebdo. On voit un vieux général qui dit à Bernadette « Vous pouvez retirer votre casque, la cérémonie est terminée. » Même sujet, grosse, dans Marianne. Un Allemand était aux commémorations du débarquement. Il y a quelqu'un parmi les autres chefs d'État qui se dit « On se le fait ». Charb, dans Charlie Hebdo, nous rappelle que désormais, il faudra faire attention à ne pas abuser des arrêts maladie. Contrôle renforcé des arrêts maladie. Et on voit quelqu'un qui arrive avec une matraque, deux flics avec des armes. Contrôle de la température, tournez-vous. C'est drôle. Sur le même thème, Charb, encore, le même dessinateur, mais c'est dans l'Humanité cette fois, chasse aux arrêts maladie abusif, ordre de Douste Blasi, déterrer ce suspect, contrôle. Cardon, dans Le Canard Enchaîné, revient lui plus généralement sur la réforme de la Sécu. Regardez cette pancarte. Sauvez la Sécu, soyez malade selon vos moyens. Les petites maladies sont peu coûteuses, pensez-y. C'est drôle, ça. On termine par deux dessins de Philippe Deluc dans VSD. Regardez cette statue de la liberté de boire un coup. Et un dessin à trois cases. Première case, on voit le chat qui se regarde dans une glace. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi, quand je suis debout face à un miroir, ma main gauche devient ma main droite et ma main droite devient la gauche, alors que, quand je me couche devant ce même miroir, mes pieds restent du même côté et ma tête aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, eh oui. C'est après-demain. Jean-Luc et moi, on est prêts déjà. Ça y est, on est libérés. Allez les bleus, allez les bleus, allez. Sentez que ça allait dégénérer. Nous allons tout de suite accueillir sur ce plateau des supporters, des vrais, des purs, des durs. Ils seront au Portugal pour l'Euro. Ils devraient déjà être partis. Bon, ils font une escale avant le match de l'équipe de France. Le premier, c'est dimanche soir. Mais ils seront aussi là partout où les sportifs français défendront les couleurs de notre pays. Pas seulement en football. Bon, là, il se trouve qu'ils commencent par l'Euro 2004. Leur passion, c'est d'encourager les Bleus et ils le font en musique. Ensemble, ils forment la fanfare des Bleus. Ils sont musiciens, professionnels et passionnés par le sport. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont tous célibataires. Leur album est sorti le 25 mai. On y retrouve des classiques, genre « Ola, ola, oh, allez, on les oh, la balle bleue ». Chic, les bleus sont chic. C'est des classiques chez qui? Chez nous, à partir de dimanche. Ah, d'accord. Pour tester ensemble la fanfare des bleus, un disque à écouter avec sa petite amie. Non, c'est pas sûr, ça. Accueillons tout de suite une partie de la fanfare. Chausse,
Pascal Raffard, Stéphane Loridan, Thierry Delamarre, Laurent Gousseau, Alain Villano. J'espère que je n'ai pas écorché les noms et que j'ai cité tout le monde. Et vous, vous êtes Pierre-Michel Verbeur. Verbeur, tout simplement. Verbeur, je dois prononcer. C'est joli, vos casquettes. C'est essayant. Vous serez en tout cas dimanche soir. Sur le terrain, dans les... Enfin, sur le terrain, j'imagine, non, mais dans les gradins. Dans les gradins. Dans les gradins, oui. Et ça veut dire quoi? C'est la fédération qui vous offre les places? On ne paye pas les places. Bon, ben voilà, on sait comment se déguiser pour rentrer. Il va falloir l'assumer, ça, quand même. Mais il faut jouer un peu de musique aussi. Ah, ben, on est sûr. Et qu'est-ce que vous faites de Francis Lalanne, qui avait pris le marché, quand même? Bah, écoutez... Parce que là, vous le couvrez, c'est la confiance déloyale. Je crois que Francis a fait les choses à sa façon et puis en toute sincérité. Donc, nous, depuis la Coupe des Confédérations, qu'on accompagne l'équipe de France et le club des supporters. Vous leur portez chance. Je pense, parce que bon, ils n'ont pas perdu jusqu'à présent. Donc, ils n'ont jamais perdu depuis que vous êtes avec eux. Non. Ah, c'est normal, attends. On cherchait le secret. Mais oui, quand la fanfare va, tout va. Hein. Annie, vous avez écouté la fanfare des Moi, je suis cliente. J'adore les fanfares. Et ça me rappelle mon enfance. Et puis, je trouve ça formidable, parce que ça entraîne les supporters. Simplement, il faut jouer au bon moment. Hein, parce qu'il y a des moments où c'est plat quand même. J'ai remarqué, il faut soutenir les bleus, parce que ça n'ira pas toujours tout droit. Complètement. Jean-Luc, je crois que vous avez vraiment aimé ça. Non, mais moi, c'est peut-être. J'ai pas ressenti ce choc depuis la Compagnie créole. Donc, ça, c'est magnifique. Donc, un élan de bonheur, ça m'a permis... Le groupe préféré de Stéphane Pocrat. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Il en faisait partie. J'ai écouté ça toute la soirée. Ouais. Ma femme m'a quitté. Donc, tout va bien. Est-ce que vous étiez au Stade de France dimanche? Oui. Et est-ce que vous étiez derrière le but? Parce que moi, j'ai vu une fanfare Nous étions derrière les buts. Le seul problème, c'est que c'est super, ça relance l'ambiance. Mais c'est une calamité, c'est le mec qui est assis devant vous. Le mec, il est sourd à la fin. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, vous faites du bruit, mais pas à côté de moi. C'est tout ce que je vous demande. D'accord, bah écoutez, il n'y a pas de problème. C'est quoi votre point commun à tous? Vous êtes tous d'une même région, d'un même... Tous de la même mère, la mère Michel. Non, mais sérieusement. Non, nous sommes tous des amis musiciens qui jouent ensemble... Au foot, en fait. Ou pas spécialement au foot, de la musique, dans plusieurs orchestres différents, voilà. C'est un hasard. Et donc, ça fait un fabuleux boys band, voilà. Très bien, parfait, le fabuleux boys band qui plaît tant à Perry Cochin, qui, je crois, a adoré. Non, justement, moi, j'avais demandé à Annie si, faute de grive, elle était prête à manger du merle. Vas-y, choisis, parce que... Ils ont la tenue, déjà. Pas, je ne comprends pas le sens de ta question. Oh, chouchou. Bon. Regardez quelle belle poule, hein. C'est un coq. C'est un coq. Et oui, évidemment. Un coq de bruyère, d'ailleurs. Ça a toujours été mon problème. Sophie ? Alors, moi, j'ai pas pu vous écouter parce que je suis déjà très mal vue dans mon immeuble. Et pour écouter votre disque, il fallait le mettre très fort. Vous pensez bien que c'est pas un nocturne de Chopin. On peut pas faire... Il fallait... Donc, j'ai lu que les paroles et je me suis régalée toute seule. Les bleus sont chics, tchiki tchiki tchik. Aïe, aïe, aïe. Il y avait ça et puis il y avait aussi... Allez, Léon, on va leur mettre à fond. Non, non, bien au fond. C'est encore mieux, ça, mais ça, parce que j'ai des vieux souvenirs, excusez-moi. Il faut dire la suite, parce que ça, c'est une chanson typiquement des supporters du Sud-Ouest. Et oui. Vous connaissez? Ah, Léon, on va l'en mettre. Vous pouvez nous la chanter, parce qu'elle vaut son pesant d'or. Il n'y a aucun problème. Alors, et c'est ce qu'on va faire. Il n'y a aucun problème. Vous allez la faire et vous allez la prendre à tout le public qui va la chanter avec vous. Ah ouais. Vous êtes prêts à mettre le souk, l'ambiance? Avec grand plaisir. À moins que Jean-François, juste avant, pardon. Avant que Jean-François ait quelque chose à dire d'important sur ce disque. Alors, j'adore donc les paroles. Ce sont des paroles qui sont claires et faciles à comprendre. Donc, vous voyez, on est les rois du ballon. Hein, ce soir, on va gagner, donc ça, c'est clair et net. La balle est là, la balle est là. Donc, la balle, elle est là, ça, c'est sûr. Hein. Les bleus sont là aussi, donc ça, c'est clair. La balle est bleue et tu l'auras pas, donc ça, c'est clair. Alors, effectivement, j'ai une petite réserve quand même sur Léon. Alors, on va leur mettre bien au fond. Alors bon, Au fond des filets, c'est la suite aussi. La ligne d'après. Hein. Alors je veux bien que le mariage gay soit à la mode, mais enfin c'est quand même pas une raison pour en rajouter comme ça à ce point-là. Hein. Bah on est un peu provoque aussi. Donc, bah oui, ouais, voilà. Pourquoi pas, pourquoi on sera pas. Contre garçons, vous savez, là-bas, hein, Jean-Luc. Je sais pas si je vais venir, moi. J'ai un doute. Allez, on y va. On met le souk avec un Léon. Attendez, Laurent. On vous met le feu ce soir. Allez, on met le feu. Sous le bord d'un collègue. Moi, je bouge. Parce que je veux vous voir. Hein. Laurent, je propose aussi une hola dans le public. Ah oui, oui. Allez, on fait partir la hola d'ici. Allez, on y va. Voilà. Oh allez. Allez. We'll be right back.
fanfare. Merci. Vous avez mis l'ambiance. On peut trouver votre CD dans tous les stades. On espère que les Bleus gagneront, encouragés par vous. Maintenant, il faut ranger tout ça parce qu'on a des sujets beaucoup plus sérieux après. Merci, au revoir et bravo à la fanfare. Les risques d'une nouvelle canicule sont à prendre très au sérieux, mais le ministre de la Santé, M. Philippe Douste-Blazy, veille, en effet. C'est le bien nommé plan anti-canicule qui est prévu. Il y aura même des mesures qui vont être testées tout prochainement, un prochain week-end, les 5 et 6 juillet 2004. Augmentation des effectifs hospitaliers, installation de climatisation, brumisateur, canadair, même dans les cas extrêmes, non, faut pas rêver. Bref, pour vraiment être au point, en cas de grosse chaleur, M. Douste-Blazy a donc tout prévu, y compris, je vous l'ai dit, cet exercice les 5 et 6 juillet prochains, avec de vrais vieux et tout, hein, pourvu qu'il ne pleuve pas, en tout cas. Dan Bolander a eu encore très chaud, il a testé pour nous les mesures anti-canicule. Regardez cette caméra cachée par Julien Héron. J'ai testé les mesures anti-canicule. Messieurs, dames, plan anti-canicule. Arrosage demandé. Non, non, restez là, madame. Nous sommes là pour vous rafraîchir. Madame, s'il vous plaît, restez ici. J'étais chez le coiffeur hier, le ministère des Finances, il va pas me rembourser, hein. Ministère de la Santé, madame. Je veux pas être trempé, parce que ça va être la canicule, faut pas rigoler c'est quand bon, même. Ça fait du bien quand même, non? Bah ça fait du bien, mais moi je sors ce soir, je vais être toute décoiffée. C'est monsieur Douste-Blazy bah, oui, qui en a eu l'idée. Eh bien justement, j'ai un rendez-vous pour les européennes, bah je vote pas pour lui, franchis, hein. C'est le plan anti-canicule. Messieurs, dames, s'il vous plaît, restez assis. Non, non, c'est obligatoire. Hein. Non, restez en place, s'il vous plaît. Ah oui, mais t'es battre, mon pote. Hein. Moi, je... non, s'il vous plaît. Non, mais nous sommes là pour vous rafraîchir, messieurs, dames. Restez là, s'il vous plaît. Rafraîchir et nous inonder, hein. Faut pas pousser. Hein. Eh, moi, je sors du coiffeur. Et c'est monsieur Douste-Blazy, le ministre, hein, qui... Dites-lui donc qu'il nous amène une bouteille de flotte. À ce moment-là, on boira. Ça nous rafraîchira à l'intérieur, mais pas nous inonder. Si j'attrape la crève, c'est pas lui qui viendra me soigner. Hein. Attention, attention, plan anti-canicule. Arrosage demandé. Voilà. Non, 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 restez là, messieurs, dames. Restez là, c'est pour votre bien. Hein. Oui, ça c'est le plan anti-canicule, messieurs, dames. Hein. Oui, mais le plan anti-canicule, foutez le camp, c'est tout. Nous sommes là, justement, pour votre santé. Voilà, donc... La ville de Paris se fout complètement de notre santé. Elle s'en fout et elle s'en contrefoule. Moi, je veux pas être arrosée et je veux pas qu'on m'emmerde. L'année dernière, en France, il a fait très, très chaud. Mais oui, mais je sais, c'était m'épuisé et puis ça va continuer cette année puisque c'est organisé. Qu'est-ce qui est organisé? Je ne comprends pas. Eh bien, je dis que la ville de Paris organise le moyen de nous faire crever. Alors foutez le camp. Ah ben, attention, attention, plan anti-canicule. Arrosage demandé. Non, restez en place, s'il vous plaît. Restez en place, restez en place. Nous devons rafraîchir toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, monsieur. Ouais, ben moi j'ai plus de 65 ans, moi. Mais non, mais je... Bah, alors, je suis commercial, c'est toi qui vas me payer mon verre. Le ministère de la Santé a lancé ce plan anti-canicule. Mais vous avez rien d'autre à foutre que d'arroser les gens pour un plan... Aller arroser les maisons de retraite. Eux, ils ont besoin, nous, on n'a pas besoin. Pour parler avec nous de ce sujet, ça tombe bien, parce que alors, je vais vous dire, sur ce plateau, c'est pire que dans une maison de retraite. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'a jamais eu aussi chaud. On va accueillir justement le responsable de l'association des directeurs d'établissements d'hébergement pour les personnes âgées, la DEPA. On va voir si les choses ont avancé depuis l'été dernier, s'il y a encore des choses à faire. Voici M. Pascal Chanvert. Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de tous les établissements d'hébergement pour les personnes âgées. Est-ce que c'est pire que chez nous, là, sur ce plateau? Ça va, là, aujourd'hui, il fait bien chaud, mais ça ne va pas durer. Bon. Il y a, en revanche, un risque pour cet été. Statistiquement, c'est assez peu probable. Il ne faut surtout pas tomber dans la psychose. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une canicule importante, exceptionnelle l'an dernier, qu'on va forcément la vivre de la même façon cette année. Mais pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais on peut savoir combien de temps à l'avance on peut savoir, on peut prévoir. Il n'est pas météorologue, hein, monsieur Chanvert. Enfin, il s'occupe des maisons de retraite et des centres d'hébergement pour personnes âgées. Merci de la précision. Très bien. Donc je me débrouille. Moi, je suis personne âgée, je regarde la météo tous les jours. Je me débrouille, d'accord. Bah, écoutez... on t'a amené ici pour le test, Sophie, justement. Faites vite, hein, faites vite. Il faut regarder ce que dit Météo France dans ses prévisions à 3 jours. Et si dans les prévisions à 3 jours, pendant 3 jours, il est prévu des températures exceptionnelles, c'est ce qui est prévu dans le plan.
Vous dites, j'ai bien compris votre message, vous ne l'avez pas encore prononcé sur ce plateau, mais on va tout de suite y venir. Vous dites, les brumisateurs, toutes ces conneries-là, la clim, tout ça. Non, ce qui manque dans tous ces établissements, là, c'est... Du personnel. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des chroniqueurs. Voilà, du personnel. Le problème, c'est que comme dans notre pays, nous avons découvert qu'il y avait des personnes âgées parce qu'il y a eu de la canicule, il y a un certain nombre de gens qui ne voudraient s'occuper des personnes âgées que quand il fait chaud. Non, et il faut s'en occuper tout le temps. C'est assez logique parce que c'est le pendant de ça, c'est que les pauvres, hein, les SDF qui sont dehors, on s'en occupe que l'hiver parce qu'ils risquent de mourir de froid. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a une espèce de... On a une société où la tolérance finalement à ce qui arrive aux gens se mesure au degré de médiatisation. C'est-à-dire que si les gens y crèvent en silence, on ne s'en occupe pas. Derek. Exact. Alors, il faut... que la solidarité fonctionne. Alors moi, personnellement, j'ai une proposition à faire. Bon, moi, j'ai la clim dans ma bagnole, donc je veux bien inviter deux ou trois vieux pour l'été dans ma voiture. Bon, évidemment, ils risquent de s'emmerder un peu, parce qu'il n'y a pas de télé et tout. Alors moi, je propose une voiture, et après, vous vous occupez du reste. Je vous propose un truc, Jean-François Lérec, c'est que votre offre, elle vaille toute l'année. Et que vous occupiez de trois personnes âgées pour les aider au quotidien toute l'année. Oui, mais déjà trois... Ça t'apprendra à dire des conneries. Sophie, le découragez pas, il avait une bonne initiative, là. Sophie. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de motiver tous les citoyens et de dire, j'allais dire dénoncer, mais de dire effectivement, je connais une personne qui est isolée, qui est vulnérable, qui est seule dans mon immeuble, dans l'immeuble d'à côté, j'ai vu une femme qui... Ça c'est important. Encore que vous vous en fichiez un peu de ceux qui sont isolés dans les immeubles, parce que vous, ceux qui vous intéresse, vous êtes responsable de l'ADEPA, c'est association des directeurs d'établissements, c'est ceux qui sont dans les établissements. Pas du tout. Ah bon? Enfin, voilà. Pas uniquement en tout cas, parce que par ailleurs, je dirige un service à domicile et de plus en plus d'établissements gèrent aussi des services à domicile. Vous me rassurez, je vous voyais cynique. Mais pas du tout. Je dis, bon, ils sont tout seuls dans leur immeuble, c'est pas mon problème, moi c'est ceux qui sont dans les maisons de retraite. L'important, c'est que notre société soit solidaire de tous les très vieux quand ils sont fragilisés ou qu'ils habitent. Perry. Alors, il y a une chose qui est très importante. Et les personnes âgées qui sont chez elles, beaucoup ne sont pas identifiées. On ne sait même pas combien il y en a, on ne sait pas où elles habitent exactement. Toutes les mairies n'ont pas tous les recensements, ça il faut le dire. Donc il faut signaler aux gens qui nous regardent, s'ils connaissent une personne âgée, etc., le signaler au pharmacien ou le signaler à la mairie, ce sont des choses importantes. Il y a des vieux qui se planquent. Hein. Il y a des vieux qui se planquent, il faut se méfier. Alors, ils ont le droit de vivre aussi. Hein. Il y en a qui n'ont pas envie, par exemple, de répondre à certaines enquêtes qui sont lancées actuellement par les mairies, où on leur demande qui vous êtes, vous habitez à quel étage, vous faites quoi le jour, vous faites quoi la nuit, etc. Il y en a qui n'ont pas envie de répondre à ça. Il faut aussi respecter cela. Vous dites surtout... Il faut être dans l'aide. Mais il ne faut pas être dans l'enfermement. Non, il ne faut pas tout, faire mais... la place de... Je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais je tiens moi à le dire en tout cas. Vous dites surtout, et ça c'est intéressant, la France a découvert qu'il y avait des vieux dans notre pays, des vieux... qui n'étaient pas tous comme Claude Sarraute ou Henri Salvador, qui eux ont encore la super pêche, mais des vrais vieux, quoi. Oui, voilà. Oui. On est dans une société qui n'aime pas les vieux. Oui. Et cette société qui n'aime pas les vieux, quand elle a des gens qui sont un peu plus vieux que les autres, vous avez cité Henri Salvador ou Claude Sarraute, cette société a envie de choisir que ceux-là soient vieux dès lors qu'ils ont en gros des comportements de jeunes. Oui. Et le pire, c'est que quand un vieux fait quelque chose de fantastique comme Salvador ou comme Aznavour, le meilleur compliment qu'on croit lui faire, c'est de dire qu'il est jeune. Ce qui prouve que c'est vraiment une façon de refuser qu'un vieux puisse faire des choses super. Mais à côté de ces vieux-là, il y a des vieux qui sont beaucoup plus fragiles, qui vont beaucoup plus lentement, qui peuvent être handicapés. Et de cela, il faut être autant solidaire que des autres. On conclut avec Jean-Luc et Annie Lemoine, les frères Lemoine. Je suis une fille, moi. J'aurais deux questions. Première constatation et après la question. Il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de personnel. Est-ce que la solution, ça ne serait pas d'embaucher des vieux? Première question. Et deuxième question. J'ai vu qu'à Paris, en cas de canicule, les cinémas peuvent être réquisitionnés. Est-ce que vous pensez que pour lutter contre la canicule, c'est la solution de leur faire sucer des Esquimaux? Voilà, c'est tout ce que je voudrais savoir. On peut sucer des Esquimaux en établissement ou chez soi. On termine avec Annie Lemoine. Alors, vous avez beaucoup de mots à votre disposition et vous avez l'œil bleu charmeur. Donc, vous allez me répondre par oui ou par non. Est-ce qu'aujourd'hui, on est peut-être à quelques jours d'une nouvelle canicule, toutes les dispositions ont été prises, selon vous, par les politiques, notamment par M. Douste-Blazy, pour que la catastrophe de l'année dernière ne se reproduise pas? Ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est mieux que l'an dernier et c'est moins pire que l'an prochain. Peut mieux faire. Non. Ah oui, c'est ça. Moins pire que l'an prochain. Moins bien. Enfin, écoutez, on verra bien.
Appelez vos grands-parents avant de partir en vacances, en tout cas. Et pensez à eux toute l'année. On va vous remercier, Pascal Chanvert. Merci à vous. On a testé vraiment les mesures anti-canicule, en tout cas, ici au Moulin Rouge, ça marche pas. Allez, merci. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment se passe le sexe chez les autres gens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? À quelle fréquence? Avec quoi et avec qui est-ce qu'ils le font différemment de vous? C'est pour tenter de répondre à ces questions que Nils Tavernier vient de sortir « Désir et sexualité » chez Hachette Littérature, un livre enquête sur la sexualité de personnes très différentes. « Désir et sexualité », c'est aussi un documentaire réalisé par Nils Tavernier qui sera diffusé, ce docu, le 13 juin prochain sur France 3. C'est encore mieux que le livre, c'est en images évidemment le documentaire, et ce documentaire vous le trouverez aussi bientôt en DVD. Pour tester le livre plus le docu Désir et sexualité, voici donc Nils Tavernier. C'est assez amusant, l'histoire de cette enquête qui vous a poussé à faire ce document qu'on va voir bientôt sur France 3, en bouquin, en DVD. C'est qu'au départ, on vous avait demandé d'adapter une enquête qui avait déjà été faite, j'ai lu ça, et vous n'avez pas eu confiance. Non, c'est pas que je faisais pas confiance au bouquin de Janine Mossoul, c'est juste une enquête très, très, très clinique, construite par un directeur de recherche au CNRS, qui tentait de faire un panel sur la sexualité en France. Moi, je ne peux pas faire un panel de sexualité en France sur un film d'une heure et demie. Ça paraît absurde, quoi. On va regarder tout de suite, avant de donner la parole à mes camarades, un extrait du documentaire que vous verrez le 13 juin prochain sur France 3 à 23h10, « Désir et sexualité » de Nils Tavernier, une enquête de Swat Catani et Laurent Bertonnier avec des chorégraphies de Yann Bridard. J'ai tout c'est dit. Que des acteurs, hein. Faut... On va le dire après, ah, d'accord, pardon. Non, parce que sinon, les acteurs... Je déteste pas les garçons du tout. J'ai pas peur de leur sexe, ni rien. C'est juste que ça me fait pas frissonner, tu vois. Leur beauté physique me touche beaucoup moins. Leur érotisme me touche beaucoup moins aussi. Et je les trouve plus faciles à satisfaire. Mais je les déteste pas du tout. Moi, je me suis surtout retrouvé avec des nanas du corps médical. Hein. D'ailleurs, je le conseille. Hein. Pour tous ceux qui connaissent pas, c'est le top. Hein. Les mecs qui bloquent sur les mannequins, les vedettes, tout ça, mais moi, ça me fait pas du tout délirer. Hein. Alors qu'une bonne infirmière, une bonne kiné, mais ça, c'est l'orgasme. Hein. Physiquement, sensuellement, c'est le top. Désir et sexualité. Alors, il faut préciser, le rappeler évidemment pendant ce court extrait que ces gens qu'on voit témoigner ne sont pas les mêmes que ceux qui ont donné, apporté leur témoignage. Vous avez demandé en fait à des comédiens de relire, de rejouer les témoignages que vous avez reçus parce que vous vouliez garder, conserver l'anonymat de ceux qui avaient accepté de vous répondre. Oui, et puis je pense que maintenant tous les gens s'accordent à dire que tout le monde veut passer à la télé. Donc... On vient raconter ses histoires de cul, ses histoires de difficultés avec sa famille. On pleure 10 minutes à la télé, on devient star à 4 balles. Et ça, c'est une télé dont moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de la faire, je la comprends pas et elle m'échappe. Et quand on parle de ses désirs et ta sexualité, si on accepte de passer à la télévision, c'est qu'il y a un début déjà d'exhibition. Et ouais. Moi, je me voyais pas faire un film d'une heure et demie avec que des gens qui seraient dans une envie d'exhibition. Et puis je crois qu'il y a un autre truc, c'est que quand vous demandez aux gens de parler de leur sexualité et qu'ils savent qu'ils sont à visage complètement, que l'anonymat est garanti, bah, du coup on accède à une parole qui est vachement plus intéressante. Il y a une dame magnifique dans mon film qui me dit « Mon mari sur le plan sexuel n'est pas très bon. Mais comment je récupère cette information-là si je la passe avec son vrai visage ?» D'abord, elle ne va pas me le dire. Si elle me le dit, c'est qu'elle a envie de pourrir son couple. Moi, je n'avais pas envie de ça du tout. Oui, ou alors le mec ne sort plus de chez lui pendant 3 mois après. Oui, ou c'est sûr. Enfin, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Et alors, les comédiens que vous avez choisis, est-ce qu'ils ressemblaient physiquement aux témoins que vous aviez rencontrés ? Un peu, ouais. Un peu. Vous avez essayé de trouver d'âge et de corps. Moi, je crois beaucoup au corps. En tout cas, c'est une démarche très honnête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Pocrin. Il y a un non-acteur dans votre documentaire, qui est une personne handicapée qui a demandé à ne pas être remplacée, qui disait que la particularité de son corps méritait qu'on la montre à l'antenne en l'occurrence. Je trouve que c'est un très beau documentaire. En plus, vous y avez réintroduit de manière, pour figurer un certain nombre de choses, des scènes de danse. De la danse contemporaine, ça parle du corps, du rapport à son corps, du rapport à l'enfermement, du rapport à l'autre et tout. Je trouve que c'est une vraie réussite. De chorégraphie de Yann Bridard. Annie Lemoine. Vous
avez préféré, je crois, le livre au DVD, Annie. Ouais, moi, je ne peux pas regarder votre DVD. Je ne peux pas le regarder parce que c'est comme si j'entends des gens qui chantent faux. Je vais vous expliquer. L'information, pour moi, ce n'est pas simplement les mots, c'est aussi les visages. C'est aussi un visage qui a vieilli d'une certaine façon. C'est aussi les silences, c'est plein de choses, les gestes. Voilà, l'info, elle est dans l'image tout entière de la personne et pas simplement dans sa voix. Donc vous, vous avez fait jouer des comédiens. Si je pensais que vous étiez malhonnête, je dirais que c'est une imposture. Mais je pense que vous êtes quelqu'un d'honnête et vous avez déjà fait du bon travail, notamment sur les commissariats de police. Donc je dirais juste que, selon moi, votre démarche n'est pas aboutie. Et je ne peux pas... Mais par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Parce que vous avez la vraie matière, vous avez les vrais témoignages des gens. Quoi, c'est ça qu'il fallait exploiter. Mais j'en fais quoi, tes témoignages ? Vous faites un film. Mais là, vous êtes terriblement plus dans la vérité. Vous êtes juste dans la vérité, alors que là, vous ne l'êtes pas. Mais je ne sais pas de quelle vérité on parle. Les gens, quand ils voient joué, le film... Non, mais c'est joué, c'est faux, vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne trouve pas que les acteurs soient faux. C'est des acteurs magnifiques. Mais puisque c'est joué, c'est faux. Calme-toi, c'est pas Christine O'Krent. Si vous acceptez le fait que ce film est un film de fiction, auquel cas vous avez un scénario et des acteurs. Alors je vais d'accord, mais si moi c'est je classifie pas mon film, j'ai pas envie de dire c'est un documentaire. Okay, j'ai simplement envie de dire que le texte provient d'interviews que j'ai fait. Mais bien sûr. Que pour préserver les individus, j'ai cherché à recueillir une autre parole. Je recueille aucune parole dans ces cas-là. Si je fais une interview de vous et que vous avez envie de me dire, moi avec mon mec, je me fais chier au pieu, c'est un enfer. Mais vous pouvez pas me le dire. Si vous acceptez de passer à la télé derrière. Mais attendez, c'est impossible. Si je me confie à vous, je suis une personne adulte, responsable. Mais les gens ne sont pas adultes et responsables par rapport à l'impact que vous dites. Les gens ne sont pas adultes et responsables. Non, l'impact que la télévision a sur des gens qui passent pendant 10 minutes en prime time, parce que le film au début était en prime time. Écoutez-moi, énorme. Sur les grands péchés, ça a été énorme. Non, mais ça dépend où on passe. Bon, sinon les gens vont parler. Alors stop, non, quand même. En fait, le seul truc qui m'intéresse. C'est que, puisque vous avez été au contact de la réalité, même si vous n'avez pas, selon moi, mené la démarche au bout, c'est votre avis qui m'intéresse et vous dites c'est la panique à bord. Ça, c'est vachement intéressant parce que ça prouve que vous l'avez senti. C'est une comédienne qui joue Annie Lemoine, nous précise Jean-Luc. Sophie, ça vous intéresse ces choses-là ? Ça m'intéresse, mais alors, au contraire d'Annie, moi, le bouquin ne m'a pas intéressé du tout. En revanche, le DVD est formidable. D'abord, si vous pensez que passer à la... Voilà. Si vous pensez... pas tout faire. Voilà. Mais c'est ça, nous sommes très différents les uns des autres. C'est très bien. On m'admire beaucoup. Et donc, si vous pensez vraiment que tout ce qui passe à la télé doit être star, vos comédiens, mais demain, ce sont des stars exceptionnelles. Ils sont d'un naturel, d'une finesse d'expression. Ils ne trahissent pas du tout. Au contraire, ils vont au-delà de la confession et de l'intimité. Alors, il y a des gens, il y a par exemple un prêtre qui s'exprime et qui dit « Bien sûr, j'ai des émotions sexuelles. Bien sûr, j'aurais bien voulu y aller, moi aussi. » Mais en fait, je trouve que le sexe est un petit peu réducteur parce que... J'aurais voulu toutes les baiser, en fait, parce que j'aime tellement tout le monde que je voudrais toutes me les faire, en fait. Et c'est, je veux dire, il le dit beaucoup plus joliment que ça, avec la croix au-dessus de lui. J'espère. Mais c'est... Vous avez bien fait de ne pas prendre Sophie comme comédienne. Mais c'est terriblement touchant, parce que je comprends tellement cette sensation quasi mythique, enfin bon, mais c'est vraiment intéressant. Merci. Perry Cochin. Alors, on a tous les avis, là, pour l'instant. Oui. Moi... Il est vrai que c'est la première fois qu'on a l'occasion de lire des témoignages sur la sexualité de personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Un curé, un handicapé, une femme handicapée, des personnes âgées, 90 ans, il y a un témoignage de quelqu'un qui a 90 ans. Mais j'ai trouvé... qui lui n'a jamais connu le plaisir. Et ils sont très très différents les uns des autres et j'ai trouvé ça passionnant. Et vous avez dit que le témoignage qui vous avait... le plus touché, c'était l'abbé. Et vous avez dit aussi qu'il avait fait le plus d'écho en vous. J'aimerais savoir pourquoi celui-là. C'est une question très personnelle à laquelle je ne peux pas répondre. puisque je n'ai pas envie, moi, de parler de ma sexualité sur ce plateau. Ça ne m'intéresse pas. Oui, je vais prendre un acteur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant un an sur ce film, toute la journée, je me suis posé des questions sur qui j'étais. Sur qu'est-ce que c'est que ma sexualité, est-ce que je me suis posé les bonnes questions, est-ce que mes désirs correspondent à mes envies, et que du coup, ça a été une rencontre avec moi-même fulgurante. Moi, ça a explosé ma vie, hein, de toute façon. Ah, bon? Ah ouais, il n'y a aucun doute. Ah bon? C'est-à-dire, vous étiez marié, vous avez divorcé, vous étiez avec quelqu'un, vous l'avez quitté? C'est ça dont je ne vous parlerai pas, parce que je n'ai pas envie de vous parler de ma vie sexuelle, ou on s'en parle tous les deux après. Moi, il était réalisateur, il va devenir curé. J'ai pas envie. Ça, écoutez, alors là, allez en parler après avec Perry, parce qu'à mon avis, vous pouvez faire un deuxième docu là, après.
Jean-Luc Lemoine, est-ce que ça vous a libéré sexuellement? Est-ce que vous avez envie de faire des nouveaux trucs après? Non, parce que j'étais déjà à fond. Mais, mais sinon, justement, désir et sexualité, je dis, ça s'annonce bien. Après, on donne un DVD. Derrière, je vois scène coupée. Je dis à ma copine, va faire un tour dehors, faut que je travaille. Je regarde, c'est très bavard. Je m'attendais à du spectaculaire. Et là, j'ai tout raté. Donc, je dis, je me rabatte sur le livre. Ça commence bien, premier chapitre, introduction. Et puis après, non. Donc, c'est très, très bavard. Et le seul regret, c'est que vous avez décidé, et c'est tout à votre honneur, de ne pas montrer les vrais visages. Il y en a un, il aurait mérité d'être montré à visage découvert pour que plus personne ne couche avec. Parce qu'il a quand même dit cette chose magnifique sur les femmes. Après avoir mis bas, elles ont 2 kilos de cellulite sur les côtés, et il est normal qu'on n'ait plus envie d'elles. Et... non, c'est tout à ton honneur d'avoir repéré cette phrase. Je ne cautionne pas. Derek, pourquoi avoir dit ça à visage caché? Et on terminera avec Jean-François. Non, j'avais dit 4 kilos de cellulite. Alors, avant, il y avait l'école, l'église, tout ça, les parents qui nous fixaient des normes. Au moins, on savait ce qui était les normes, et au moins, c'était, on savait ce qu'on voulait transgresser. Et c'était beaucoup plus agréable de transgresser ce qui était interdit. Maintenant, vu qu'on ne sait plus, on ne sait pas où on en est. Écoutez, Jean-François, j'ai bien compris votre message. Vous, voilà. Vous préférez avoir appris sur le terrain, mais je peux vous dire que beaucoup s'en sont plaintes. Nous, on préfère apprendre avant. Je vous laisse répondre. Oui, ouais, non. Enfin, ce qui a vraiment changé, c'est clair, c'est que moi, mon premier contact avec l'image représentant une nudité ou un acte sexuel, c'était une photo. Maintenant, les gamins, à 15 ans, ils ont vu des films porno. Oui. Ça, il n'y a aucun doute, aucun doute. Moi, mon film, il a été déprogrammé et il passe à 23h10. Il devait passer en prime time avant. Le film est interdit au moins de 16. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je n'ai pas envie que mon fils de 12 ans voie le film. Et je pense qu'autour de 14-15, le film est visible par les gamins qui regardent, je sais pas quoi, tous les abribus. Hein. En tout cas, ce sera sur France 3 à 23h10 le 13 juin prochain. C'est dimanche en fait, c'est ça? Ouais. Après France-Angleterre. Vous regardez France-Angleterre et ensuite le désir et sexualité de Nils Tavernier. Vous pouvez aussi vous procurer le DVD à partir du 16 ou le livre chez Hachette Littérature. J'ai tout dit, on vous remercie Nils Tavernier. Nous allons maintenant accueillir l'une des plus belles voix de la chanson française, même si elle est un peu belge. Ces chansons, vous les connaissez. Toutes les mamas, tout pour un seul homme, ça casse sur un prélude de Bach. Tu es mon autre, en duo avec Lara Fabian. Et plus récemment, Tout faux, c'est une de mes préférées de ce dernier album que j'ai en main. Vous l'avez reconnu, c'est Morane. Le 25 mai dernier était sortie l'édition collector de cet album Quand l'humain danse, dont est extrait la dernière chanson des millions de fois. Elle revient du Sénégal, elle sera prochainement à la Réunion et à partir du 10 juillet dans le sud de la France, elle continuera ses concerts. Elle est donc de passage chez nous. Voici Morane. Bonsoir. On s'embrasse pas parce que... Hein, c'est pas chaud du tout chez vous, bonjour. C'est une étude. Oui, bah oui. Donc je cherche... Bienvenue. Bienvenue dans notre cocotte minute. Ah oui, oui, dites donc. Alors ah oui, là, c'est bien au bout, tranquille. 12 kilos en une heure, là. C'est bien, c'est pratique. Ah oui, c'est très pratique. C'est parfait. C'est vachement bien. Moi, je vais rester un peu, je crois. Oh, vous êtes parfaite. Et alors, cette nouvelle coiffure vous va très bien. C'est vrai. Je vous ai pas vu comme ça encore. Mais non, 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 mais ça s'enlève. C'est au Sénégal que vous avez fait ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est drôle. C'est très pratique. Voilà. C'est génial. Alors. Bah, vous devriez l'essayer. Ah oui, donnez-moi voir. Là, c'est un concept. Hein. C'est moins bien. Ah oui, c'est un peu chaud. Si. C'est un concept. Voilà. Après, je fais un peu de Jiminy Cricket, mais bon. C'est bien, vous continuez à chanter à travers la France et le monde. Donc, vous partez là dans un département d'outre-mer pour La Réunion, tout prochainement. Oui, et puis vous... Maurice.
on se fait pas chier, quoi. Oui, c'est ça, le début des vacances, tranquille. Hein. Réunion, île Maurice, on sent. C'est pas des vacances, je travaille quand même. Ouais, ouais, enfin, on va chanter pour un concert, on reste quoi? Ah non, je fais quand même. Il y a quand même 5 ou 6 concerts. Ah, ah si, 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 ah, bah, quand même. C'est bien calculé, comme ça, vous pouvez passer au moins une semaine sur place. Exactement. Quand l'humain danse, c'était le titre de ce dernier album. On va regarder ensemble un extrait du clip. C'est quand les 100. Quand les 100. Tu veux parler aux arbres comme un sorcier du Zaïre, comme un chaman indien, rêver et guérir, pouvoir chanter le blues ou surfer à Hawaï, être un berger tranquille sur les monts Altai. Et quand les sangs se mélangent, quand les rêves s'échangent, et nous viennent les anges. Quand les sangs se mélangent, premier extrait de cet album, il y a eu d'autres depuis. Moi, j'avais adoré, je dois dire, la chanson de Goldman, Tout faux, le texte. Je trouvais ça vraiment fantastique, cette chanson. Et puis là, maintenant, c'est des millions de fois qu'on entend en radio, c'est le nouvel extrait. Je vous demande pas si vous connaissez tous Morane, les uns les autres, évidemment. Annie Lemoine, je commence par vous. Bah, moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elle a une voix extraordinaire, évidemment, une des plus belles, je pense. Donc, quand il y a une guitare derrière ou quand il y a un piano, bah, c'est juste pour la mettre encore plus dans un écrin. Tout est beau avec Morane. Tout sur l'album est magnifique. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a travaillé, vous parlez d'analyse, la quarantaine, vous êtes épanoui, c'est vrai, ça se voit, c'est magnifique. Je viens dormir, c'est... Non, c'est vrai, vous êtes comme un fruit arrivé à maturité. C'est plein, c'est riche, c'est beau, donc merci Morane d'exister. Un fruit arrivé à maturité, moi j'aimerais pas. Hein. Oui, ça veut dire que elle est vraiment bête. Blette, vous êtes blette. Mais non, juteuse, vous voyez, pas du tout blette. Ah, je préfère juteuse que blette. Ah, maturité, non, mais je veux dire, il y a quelque chose de plein, de riche, elle donne, c'est sa saison, quoi, vous voyez. Ensuite, dans 15 jours, elle est blette. Hein. Qu'est-ce que je suis mal entourée parfois. Pokra. J'ai bien aimé l'album et en même temps, j'ai pas adoré. Et c'est toujours compliqué un peu avec vous parce que vous faites vraiment partie de ces interprètes qui font partie de notre vie. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut, je sais pas, par exemple, on écoute votre album une fois, il y a un an, et puis tous les jours, on est là, on a un petit air en tête, un truc comme ça. Et donc, c'est compliqué parce que vous faites un peu partie du quotidien. L'album, c'est quand même un joli album, même si je n'ai pas adoré, parce qu'avec vous, j'ai remarqué que les albums, il faut leur laisser le temps de s'installer. On fait une première écoute, on écoute d'une oreille distraite, on dit « ouais, ouais, ok, c'est Morane, elle chante bien ». On écoute une deuxième fois, on se dit… C'est sympa, ça. Ah oui, non. Oui, mais elle chante bien, mais c'est quand même assez rare dans la période pour elle être… Elle chante très bien, signalée. Si ça t'écorche pas la bouche. Écoute, j'allais y venir. On écoute une deuxième fois et on se dit… C'est vivre. On écoute une deuxième fois et on se dit « c'est réellement très bien interprété ». Puis à la troisième fois, on se dit que c'est vraiment bien fait. Alors, elle m'a volé déjà le truc sur la saison, le fruit qui arrive à maturité. C'est un peu ce que j'aurais voulu dire, mais c'est exactement ça. Et donc, la quatrième fois, vous vous dites « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle !» Non, je suis nique. Et la cinquième fois, vous vous dites « mais elle est parfaite !» C'est pas exactement ça. C'est qu'à lorsqu'on arrive à la quatrième écoute, comme il y a le prélude de Bach, on se dit que finalement, il fallait bien 4 saisons, comme Vivaldi, pour vous apprécier. Oh, oh là là, quel poète! Monsieur s'est parlé aux femmes. Ah ouais, moi 4 saisons, j'aurais dit Vivagel, moi, vous voyez. À vous, Péri. À vous, Péri. Eh oui, Péri. Ici, il faut que les gens s'habituent parce que c'est Interville qui nous remplace cet été. Allons, Péri, est-ce que vous m'entendez? Et voilà, ici, Paris, à vous, voilà. Oui. Et voilà, alors, la première vachette qui parle. Allez, Péri. Allez, Simone. Allez, Simone, qu'est-ce que vous pensez de Morane, Simone? Non, je pense que du bien. Je pense qu'elle chante magnifiquement et tout. Mais franchement, j'ai pas compris comment se fait-il que vous veniez nous voir ce soir. Parce que c'est le même album que le... Non, non, c'est pas mal. Parce que j'avais envie, j'ai vu des lumières. Ah, mais ça, c'est super. Non, mais qu'est-ce que vous foutez là? Élégant, chic. Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est pas ça. Mais en général, les grands artistes comme Morane, quand ils viennent nous voir et qu'ils se déplacent, c'est parce qu'ils ont quelque chose de nouveau à nous proposer. Eh bien, là, il y a deuxième bonne raison, je vais vous la montrer, réponse. Péri, voilà. C'est aussi le cœur des femmes au profit de l'association Laurette Fugain. Ça s'est sorti tout récemment, le 18 mai dernier. Et évidemment, on sait que ça va au profit de cette association que tout le monde connaît maintenant. Mais il ne faut pas oublier d'acheter ce disque dans lequel on entend évidemment Morane. D'accord.
Mais c'est bon, ça, celui-là. Oui, vous avez été parfait. En plus, si c'est pour parler de Laurette, vous pouvez y aller. Parfois, je me surprends, moi, je vais dire. Laurent, la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez voulu inviter Perry aujourd'hui? Ça, je vais vous dire, j'ai pas la réponse. Jean-François Guéret. Bah, écoutez, moi je dirais que vous êtes un fruit qui arrive à maturité. Oh. Je pense que c'est indispensable déjà. Alors je vais mettre un bémol avant de parler. C'est que ce que je dis, ça n'a aucun intérêt. Hein, donc, non, mais ça on avait compris. Ce que je dis, c'est, enfin, je veux dire, pas plus d'intérêt qu'un critique moyen. Donc vous voyez, c'est un gland moyen qui parle. Hein. Mais moi. Prétentieux. Est-ce que ta femme vous a dit, oui. Moi, à chaque fois, je trouve que vous avez une voix sensationnelle. Et je trouve chaque fois que vos chansons ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce que vous êtes. Vache, hein. Bah, je suis vache, oui, non, je suis taureau. C'est pas le premier ni le dernier. Vous devriez faire un effort sur le sexuel. Ah. Vous chantez trop intelligemment et pas assez sexuel. Moi, ce que je vous dis, c'est mon avis. Hein, de là, je suis pas d'accord. Ah non, mais évidemment. Moi, si vous voulez mon avis. Vous deux. Mais je ne veux pas! Mais tant pis, on va! Je veux pas! Moi, je veux que tous les matins, maintenant, vous pensiez à ça. Sexuel, non, en vous sensuel, vous je pense sensuel. Non, c'est vrai. Sexuel. Non, sensuel. Qu'est-ce qu'il est avec le sexe en ce moment? T'as des soucis ou quoi? Il est en chaleur, notre copain. Remarquez qu'il soit en chaleur, je vais vous dire, ici, c'est un peu normal. Ouais. Hein? Mais là, ça, ici, ça fait pléonasme, ouais. Carrément. On va appeler un Canadair avant la fin de l'émission. C'est en tout cas le temps du taquet fini. Bon. Une phrase de footballeur, William Gallas. Et il dit, on se parle avec Jacques Santini, le sélectionneur. Il dit, je lui ai demandé à quel poste je devais m'entraîner. Il m'a dit... Le tien? À l'avant? Non. À l'arrière? Police? Non. Sur les côtés? Non. Tais-toi et tire? Non. Tais-toi et cours? C'est pas facile à trouver parce que la réponse, en fait, qu'il a faite n'a... Aucun sens. N'a pas de sens par rapport à la question. Il m'a dit 15h15. Presque. C'est vrai? Ouais. Va te laver. Ça dépend du temps. Non, non. C'est deux lettres en fait. On repasse. Ok, ok, bravo, Péricocha et Jean-Luc Lemoine. Ok. C'est vrai que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est littéraire, hein. On se parle avec le sélectionneur. Je lui ai demandé à quel poste je vais jouer. Il m'a dit ok. Je trouve ça formidable. George Bush, là, j'ose à peine prononcer la phrase de Bush. Sont des confidences faites par un membre de son entourage au moment où le pape avait condamné la guerre en Irak. Et là, Bush a dit, le pape manque de... Sexe. Non. De couilles. De couilles, mais ça ne lui est pas nécessaire. Ah. Bravo, Stéphane Coquin. C'était pas loin, quand même. Ah, il va fort, Bush. Hein. Ah, lui, le cerveau. Béatrice Dalle. Ah. Elle ça, déclare, c'est... tant que trois, quand je sors une, tout va bien. Tant que tant trois... Que... se présente. Tant que trois hommes. Non. Non. Tant que trois mecs. Tant que trois hommes, oui. Non. Tant que trois... Tant que trois, quand je sors une, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Bah, une voiture, un sac à main, un vêtement, un enfant. Elle, vous la connaissez, qu'est-ce qu'elle sort? Des clopes. Très bien, bravo. Quand je sors une cigarette, tout va bien. Tant que trois briquets. Bravo, tant que trois briquets. S'allume. S'allume quand je sors une cigarette, tout va bien, bravo. Réponse collective grâce à Morane Perry et Sophie Garel. Quand l'humain danse, c'est le titre de l'album édition Collector. La chanson qu'on entend en radio actuellement, en radio, c'est des millions de fois. Et puis vous serez en concert pendant tout l'été en France et avant ça, à La Réunion, parce qu'ils nous regardent là-bas, on les salue, les Réunionnais. Merci Morane. Bon week-end sur France 2.